Maintenant, revenons sur quoi? Sur Bois de Dieu, des raisins, Bois de Dieu. Et parlons un peu de sa vie. Il est diabétique. Puisqu'il a montré qu'il est un lion. On va voir ça. Et le lion, vous savez que le lion, c'est quoi? C'est un diabétique. C'est le diabète même. Le diabète. C'est comme ça. C'est pas l'urine, c'est pas l'urine que le diabétique mange. C'est ça qui fait sa force, l'urine. Son urine. Ça. C'est pourquoi l'urine du lion, c'est très puissant. Le lion, c'est un diabétique. Donc, allons-y, Béranzé. Béranzé, que vous voyez là, en fait, Béranzé, c'est les yeux. Et vous savez que les yeux, c'est quoi? C'est Dieu. Les yeux, c'est les montagnes. Et vous savez que les montagnes, c'est Dieu. C'est comme ça. Si Béranzé dit quoi? Atteint son équilibre. B, E, ici, le H, là, je prononce R. D'accord. Dans Béranzin, vous savez quoi? Béranzin, tout le B là, c'est quoi? C'est exactement la lettre B. Et puis le R, ça veut quoi? Ça veut pro. Pro comme quoi? Équilibre, attention d'équilibre. L'homme, H, mettons comme H comme quoi? L'homme qui emprunte, hein, comme quoi? Emprunte. Les yeux, ici comme quoi? Yeux. On prend ses yeux. Atteint l'équilibre, l'homme qui renforce ses yeux. Là, c'est vrai. Quand tu renforces tes yeux, tu es en équilibre. Tu ne peux pas tomber. C'est comme ça. Mais là, c'est les yeux. Ainsi dit-il que quoi? Que le monde tient le coup que la tête désire. Dès qu'il peut introniser au roi, sa première pensée c'était quoi? C'était le monde tient l'œuf que la terre désire. C'est pourquoi on dit Béranzin. En fait, Béranzin c'est quoi? C'est Béranzin. C'est ça qui est francisé. On dit Béranzin. Béranzin. On tient l'œuf. Béranzin. Que la terre désire. C'est comme ça. L'œuf, quel est cet œuf que la terre désire? C'est quoi? C'est les yeux. Les yeux sont un œuf, vous le savez bien. Voilà, et que désire la terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est un cerveau. Un cerveau. Elle est là pour réfléchir. Elle réfléchit comment? En tournant. Elle tient le compas pour réfléchir. C'est pourquoi? Elle dit que la terre tourne. La terre tourne. C'est le compas qu'elle prend pour réfléchir. Elle ne prend pas quoi? Elle ne prend pas la règle pour réfléchir. La terre, c'est un cerveau. Terre. Ce qui, elle comme pas réfléchit, terre comme pas dans la tête. Qu'est-ce qui réfléchit dans la tête? C'est quoi? C'est le cerveau. Voilà. La terre, c'est un cerveau. Un cerveau très poli. Pour réfléchir, c'est le compagnon. Le compagnon prend. Il trace les airs du cercle. Il se coupe. C'est comme ça. Et que veut la terre, le réfléchisseur? Le réfléchisseur ne veut que quoi? Que l'inspiration. L'inspiration qu'on verse à la terre quand elle réfléchit, c'est quoi? C'est ça que la pluie. Que le ciel verse sur elle. Et c'est ça qui est les larmes des yeux. Les larmes qui sont des yeux, c'est quoi? C'est la pluie. Les yeux sont les montagnes qui fabriquent leur propre eau. Ils ne fabriquent pas piété. Avec la piété, ils fabriquent ces larmes-là et puis ils versent. La pitié de la terre quand elle réfléchit. Et quand elle réfléchit, la pitié d'elle. Et puis il fait quoi? Il fabrique les larmes et il fait ça. Et la terre est tellement contente. Très contente. C'est pourquoi Béranzin dit quoi? Le monde tient l'œuf que la terre désire. Et c'est le monde entier qui tient cet œuf. C'est pour dire que quoi? Que l'œuf là est unique. Cet œuf là que tient le monde là, il est unique. Tels sont les yeux. Les yeux sont uniques. Il n'a pas deux yeux. Et sur les montagnes,
qui